va mieux. Disons que oui, elle est encore dans un coma profond. Bonjour capitaine. Bonjour John. Alors, des infos? Alors, il a eu une balle dans le corps et l'attaque se serait passée hier vers 17h30. Ok, juste après l'école. Oui, il y avait des enfants, mais ce qui est bizarre, c'est que d'après une témoin, l'homme n'essayait pas de tirer sur eux, il essayait de tirer seulement sur lui en fait. Et tu sais s'il avait des ennemis? Non. Ok, tu rentres au commissariat et tu fais des recherches. Ok, chef. Salut mon pote. Bah ouais, alors tu m'as appelé, c'est quoi ton problème? Bah en fait, tu vois, il y a eu une histoire comme quoi la grande roue se serait détachée. Bah c'est moi en fait. Funeste, tu sais qu'il y a une fille qui est crevée? Oui, je sais, je l'ai vue à la télé. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Mais tu pourrais m'aider à sortir du pays, à partir loin pour oublier. Pas que je me fasse choper, j'ai pas envie d'aller en tôle. Ouais, ouais, t'inquiète, je connais un mec qui pourra t'emmener jusqu'en Espagne. J'ai pas d'argent. Ah bah, punaise, je peux pas t'aider, là. Vas-y, on est potes, tu peux pas m'emmener en Espagne gratos. Wesh, j'ai pas de voiture, en fait. J'ai perdu mon permis. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Bon, c'est pas le souci. T'es sûr que ça va? Oui, oui, ça va très... Eh oh! Josier! Josier, réveille-toi là! Punaise! Allez, viens, tiens, je vais t'aider. Bonjour madame, excusez-moi du retard. Oh, vous inquiétez pas. Alors, dites-moi tout. Eh bien, ce que je pouvais vous dire, c'est que son fusil était très long. Il était très grand. Et aussi, il portait un masque orange. J'ai pas vu son visage. D'accord. Mais vraiment, il essayait de tirer que sur cet homme. Cet homme qui a pas réussi à fuir. Et il va mieux maintenant? Il est maintenant chez la PTS pour qu'on le prenne en charge. Ça veut dire qu'il est à l'hôpital? Oui, mais en même temps, on fait des petits prélèvements sur lui. Il est dans le coma maintenant. D'accord. Bon, eh bien, si vous n'avez pas d'autre chose à me dire, eh bien, au revoir. Ok, au revoir. Ouais, attention! Attention! Léo, attention! Oh oh! Léo, tu pouvais faire attention au moins. Pardon, mais aussi il y avait trop d'assiettes et de couverts dedans. Tu pouvais pas en jeter dans le déménagement? Jeter les couverts que ta grand-mère m'a donnés? Mais t'es fou toi! Je suis rentrée. Salut chérie. C'est quoi tout ce chantier? Ah, c'est Léo qui a tout fait tomber encore. Eh oh, aussi c'était trop lourd et puis il y en avait trop dans le déménagement. Oh Léo, c'est bon là.
Bon, on va arrêter de se chamailler, d'accord? J'ai ramené le repas. Ah ouais, papa, t'es le meilleur. Vous voilà. Merci. Bon, je vous laisse. Kelly. Kelly, si tu m'entends, sache que je t'aime et je t'aimerai. On se connaît pas encore très très bien, mais ce qu'on sait, c'est qu'on s'aime. Alors s'il te plaît, pourvu que tu te réveilles, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Kelly, tu m'entends? Kelly? Kelly? S'il vous plaît, docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Ok. Madame, je suis votre docteur. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Elle est consciente. Elle nous entend.